Ah, pour une fois qu'il écoute pas Céline Dion. Hein. Ah, mais c'est... Ah, franchement, eh, ça me fait plaisir que t'écoutes Joe Zayen. Je pensais pas que t'écoutais encore mon ancien groupe aujourd'hui. C'est cool. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Je plaisantais, hein. Évidemment, je vous conseille à tous d'écouter Joe the Lion, l'ancien groupe de Joe, mais je ne vous conseille pas que cela. D'autant plus qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Tu les as retrouvés où, mes chansons? Dans les entrailles de MySpace, ah ouais. Mon pote. J'ai cherché longtemps. Allez, vous aussi, à l'attaque. Au début des années 2000, quand je commençais à écrire des chroniques sur Internet, j'avais reçu cet album de Fort Lauderdale. Je l'écoutais en boucle pendant des mois, puis plus une seule fois depuis presque 15 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais le nom du groupe m'est revenu hier soir, sans raison. Du coup, en ce moment, je réécoute leur morceau Sexy Creature. Également ton petit surnom. Ce groupe n'a sorti que deux albums, ils n'ont pas plus de 100 abonnés sur Spotify, bref, une vraie pépite méconnue comme on les aime. Dans la vie, les deux choses préférées de Nico, ce sont Oasis et moi. Alors comme on va pas mettre un extrait de moi... Après deux premiers titres l'année passée, à savoir Drop the Bomb puis In the Future, Yota, alias Youth of the Apocalypse, ont effectué il y a quelques semaines leur retour avec un nouveau single Fire in My Mind, enregistré en collaboration avec Noel Gallagher. Casting de choc donc, puisqu'en plus de l'ancienne Oasis, au sein de Yota, nous trouvons le bassiste et guitariste de Gorillaz, Jamie Reynolds des Klaxons et Jay Sharrock, le batteur de Miles Kane. Sérieux, tu réécoutes Huffy ouais. En ce moment? Ouais. Donc t'es complètement 2010 comme mec. Ouais. Voire même 2006. En 2006, nous avons fait la connaissance de la chanteuse Huffy, de son vrai nom Anna Catherine Hartley Poole, avec le single Pop the Glock. Puis en 2010, sort son premier album, et à ce jour unique, intitulé Sex Dreams and Denim Jeans, sur le label Headbanger. Et on y trouve ce tube. Donc t'écoutes en ce moment Yota, Huffy et Fort Lauderdale. Et Joe the Lion, ton groupe, évidemment. Et Meat Loaf aussi, je suis obsédé par Meat Loaf en ce moment. Ok, tu veux qu'on se quitte sur Meat Loaf? En vrai, ça me ferait super plaisir. Si c'est possible, hein, je veux pas embêter qui que ce soit. Non, mais ça embête personne. Allez, c'est cadeau. Merci.